Bonsoir à tous. Je renouvelle les remerciements de venir à cette session qui est la dernière de la journée. On va effectivement parler de Smart Data et de DataViz avec Valentin et Mathias. Valentin de la France Télévisions, Mathias de la Française des Jeux. Je vous laisserai vous présenter un peu plus en détail quand on attaquera la partie panel si ça vous va. Est-ce que j'ai un petit ticker ou j'ai oublié de le demander. Pardon. Petit liche de prendre. Il est peut-être sur la table déjà. Donc je me présente très rapidement, je suis Thibault Lefebvre, je suis directeur Data Science chez M13H. Deux mots sur M13H, on est un cabinet de conseil en data marketing technologie, donc assez concrètement ça veut dire qu'on aide nos clients à décrypter l'écosystème AdTech et MarTech, on les accompagne sur le choix de plateforme, sur l'exécution du use case, un peu de cadrage stratégique également, et mon practice Data Science produit de l'analytique, donc des analyses de connaissances clients, de connaissances produits, de connaissances assez variées, toujours sur de la data, et qui passe assez régulièrement par de la visualisation, qui est le sujet dont on va parler aujourd'hui plus en détail. La visualisation, c'est un sujet qui est cher à mon cœur. Moi, je m'étais spécialisé en traitement d'image à la fin de mes études. Il y avait un truc que je trouvais assez fascinant à l'époque, c'était que dans ce que je faisais, on partait d'un contenu visuel, et on traduisait ça en contenu d'information, et puis on appliquait des méthodes sur l'information qu'on en déduisait. Là, ce dont on va parler, c'est un peu le chemin inverse. On va partir d'un set d'informations et on va plutôt aller vers une représentation visuelle pour essayer de faciliter une prise de décision ou en tout cas de représenter un insight de la façon la plus intuitive possible. En fait, ça fait très longtemps qu'on fait ça. On n'a pas attendu la data, le marketing et les nouveaux outils. Ce que vous avez sous les yeux, c'est sur la partie gauche une carte sur une tablette de terre qui date de 1400 avant Jésus-Christ, c'est ça. Une carte, en fait, c'est déjà une visualisation qui est extrêmement synthétique. S'il fallait qu'on écrive toute l'information qui est représentée sur la carte, ce serait très compliqué, ça prendrait beaucoup de place. Il faudrait en gros écrire la distance entre chacun des points de la carte et la direction, voire le chemin qu'il faut prendre pour se rendre de l'un à l'autre. Là, on a une représentation qui est extrêmement synthétique, d'exactement le même contenu d'information, donc c'est intéressant et efficace. Sur la droite, vous avez quelque chose d'un peu plus structuré, c'est considéré peut-être comme la première visualisation structurée à nouveau. En fait, ce qu'on regarde, c'est la campagne de Napoléon en Russie. Sur la gauche, en beige, on est, je crois, en Lituanie, j'oublie le nom de la ville. Et en fait, on voit le déplacement de l'armée, la largeur du trait, c'est la taille de l'armée, le nombre de soldats qu'il y a dans l'armée. Ils sont en train de se déplacer vers l'est, vers Moscou. On voit que déjà l'hiver est un peu rude, la taille de l'armée se réduit pas mal en cours de route. Ça se passe relativement mal à Moscou et le retour est également pas évident. Il y a un moment où vous voyez une rupture assez évidente de la taille de l'armée, c'est quand ils passent la rivière de la Bérézina, c'est de là que vient l'expression pour ceux qui ne le savaient pas. Donc tout ça pour vous dire quoi? Que la visualisation, ça fait longtemps qu'on en fait, les principes sont établis depuis un certain moment. Mais un tout petit peu plus proche de nous, si j'applique ce que je viens de vous dire à un cas assez classique dans le domaine du marketing, c'est celui de l'attribution. Quand on parle de l'attribution, on a une problématique qui est assez simple. Je communique sur des canaux, je veux savoir à la fin quelle est la contribution relative de chacun des canaux à une action qui peut être l'arrivée. Simplement une visite sur un site, une action particulière sur mon site, soit parce que j'ai fait un devis, soit parce que j'ai mis un produit dans mon panier. Et donc la visualisation d'un score d'attribution, c'est ce que vous avez sur le bas, c'est assez simple. C'est un score relatif de différents canaux qui contribuent à une action qu'on voulait mesurer. Mais finalement, pour arriver à cette visualisation, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les données des sources. Les sources, c'est les plateformes qui sont ad-centric et site-centric. Et qu'est-ce qu'on fait de ces données? Elles viennent de différentes sources, donc en général, elles ne parlent pas le même langage. Elles sont plus ou moins propres, il peut y avoir des données manquantes. Il peut y avoir plein de raisons de vouloir opérer des nettoyages. On peut également, on a certainement envie aussi de mettre un petit peu de connaissances internes. On peut avoir une catégorisation de pages qu'on ne va pas traiter exactement de la même façon sur le parcours du site du client, sur le site internet. Une fois que déjà j'ai nettoyé, j'ai modélisé ma donnée, on va passer vraiment à la modélisation de l'attribution. Il y avait une conférence ce matin, je crois, sur le sujet de Converteo, j'ai lu l'article hier. C'était assez bien fait. Donc vous reconnaîtrez peut-être deux des modèles qu'on peut utiliser en statistique, qui sont les grands classiques Markov et Chaplin. Et une fois qu'on a fait tout ça, on arrive à des scores et on est capable de le représenter de façon visuelle. Mais finalement, dans ce que je viens de vous dire, ce qu'il faut retenir, c'est que la partie visualisation qui est vraiment au tout bout de la chaîne, elle représente en général 10% de notre effort en tant que data scientist ou data engineer. Et encore, dans le cas d'attribution de 10%, je suis plutôt généreux, ça se rapproche plutôt des 2%, et c'est parce qu'on hésite un peu sur les couleurs qu'on veut mettre. L'essentiel du travail, il est vraiment... Alors déjà, il ne faut pas sous-estimer la partie acquisition. On se dit souvent que simplement prendre une donnée et la mettre ailleurs, c'est très facile. Parfois, pas tant que ça. Et une fois que
que je l'ai récupérée, bah, je vous dis, on passe énormément de temps à la nettoyer, à la consolider, à la modéliser. Et ensuite, on la fait rentrer dans un algo qui peut être plus ou moins compliqué. On n'est pas obligé de faire des trucs genre Markov ou Chaplet. On peut faire des choses linéaires qui sont déjà pas mal du tout par rapport à LastClick. Et voilà, encore une fois, la partie visualisation, c'est vraiment le dernier aspect du travail. Donc déjà, on se rend compte qu'entre une source et la représentation du contenu de la source, peut y avoir un petit peu de travail, et pour complexifier encore un peu la discussion, suivant le type de message que je vais vouloir faire passer et l'audience à laquelle je vais m'adresser, je ne vais pas non plus exactement avoir les mêmes enjeux. Si on parle d'un, je sais pas, d'un rapport de performance hebdomadaire que, sur lequel vous voulez appuyer une discussion avec votre agence qui exécute les campagnes pour voir s'ils sont en train de sur ou sous-performer sur un des canaux, un PDF qui produit les mêmes indicateurs de semaine en semaine, ça fait le boulot, c'est très bien, on n'est pas là pour, on est là pour discuter performance, pas forcément pour entrer dans les détails d'une visualisation. Par contre, si je suis en train de produire un dashboard pour le management d'une BU qui a besoin d'avoir un suivi opérationnel de toutes ces opérations, peut-être que l'attribution, c'est un des aspects, peut y en avoir plein d'autres, et du coup, il va falloir que je produise une visu synthétique dans laquelle je vais avoir des capacités d'exploration, parce que peut-être que je vais vouloir changer de fenêtre temporelle, peut-être que je vais vouloir changer de fenêtre de périmètre organisationnel, donc je vais avoir besoin quand même de ces notions de fonction de navigation. Si je reste sur le dashboard, mais que cette fois-ci, c'est l'équipe, justement, acquisition, qui a besoin d'un dashboard un peu temps réel pour savoir ce qui se passe, pour réagir, peut-être qu'il y a un truc qui est en train de planter sur le site internet, on va avoir une métrique en décroissance assez forte. Ils vont avoir besoin d'un dashboard temps réel. Quand je suis en temps réel, en général, je n'ai pas forcément le temps d'opérer des nettoyages, je sais pas, de redressement entre différents systèmes. Puis quand on est en temps réel, parfois la donnée n'arrive pas justement en temps réel. Il peut y avoir un tuyau un peu bouché, donc ça arrive un peu plus tard. Ce que ça veut dire, c'est que je vais peut-être avoir des incohérences par rapport à ce que je produirais dans un dashboard pour le top management. Parce que je n'ai pas forcément le temps ou le besoin strict d'effectuer ces opérations. Et surtout, je présente ce dashboard dans une équipe qui connaît bien son sujet. Ça ne va pas être partagé avec d'autres équipes. Donc on peut, entre guillemets, se permettre ces petites approximations. Si je parle d'une autre équipe, le genre d'équipe que je dirige, des data scientists, des data analysts, nous on se sert énormément d'outils de visualisation pour appréhender des gros volumes de données. On n'a évidemment pas du tout les mêmes besoins que le management d'une BU. Nous on n'a pas forcément besoin d'avoir des fonctions de navigation très sophistiquées, on n'a pas besoin d'avoir un truc très joli non plus, on sait ce qu'on traite. Par contre, on a besoin de trucs super performants. Il faut qu'on soit capable de passer d'un niveau très très macro sur un gros set de données à un niveau extrêmement granulaire, parce que c'est comme ça en fait qu'on commence à sentir un peu la donnée qu'on a dans les mains, et ça va énormément nous aider pour déterminer les traitements. Je connais toujours personne qui est capable de traiter un Excel de 10 milliards de lignes uniquement sur l'Excel, donc on se sert vraiment de ce genre d'outils. Et le dernier type de visu dont je voulais vous parler, auquel on ne pense pas toujours quand on pense aux outils de visualisation, c'est la présentation PowerPoint. Par rapport à la définition que je vous donnais tout à l'heure, une présentation PowerPoint, je présente de l'information de façon visuelle parce que je veux faire passer un message à un auditoire. Donc on n'est clairement pas dans le domaine des outils de visualisation classiques, pour la plupart, mais ça reste quand même un exercice de visualisation qui est intéressant. Quand je dis pour la plupart, c'est parce qu'évidemment, il y en a un dont je vais vous parler à la fin, et que c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. On passe quand même, j'imagine, la plupart de votre temps à préparer des reporting, à faire ces présentations. Ça représente un coût qui est assez important, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, il n'y a pas d'outils qui nous le permettent de faire de façon efficace, mais ça vaut le coup de se poser cette question et de garder un œil sur ce qui se passe dans le domaine là-dessus. Tout ça pour vous dire quoi ? Qu'encore une fois, suivant le type de données que je vais produire, suivant le type de message que je vais avoir envie de passer, suivant l'audience à laquelle je vais m'adresser, je n'ai pas forcément les mêmes critères et je ne vais pas avoir envie de mettre le même critère au même endroit suivant tous ces besoins. D'autant plus que ces critères, ils peuvent être parfois contradictoires les uns avec les autres. On a parlé de fiabilité de la donnée. C'est en général un critère qui est hyper important. Il y a peu de cas où on peut se permettre de n'être pas fiable sur la donnée qu'on produit. On va parler d'industrialisation. Une fois qu'on a investi dans un effort pour construire une chaîne de traitement de données et de production d'un rapport, on n'a pas envie de passer le même effort toutes les semaines. Les fonctions de navigation, là, ça va différencier pas mal les outils entre eux. Il y a des outils qui n'offrent pas de fonctions de navigation, d'autres qui le font, mais ça veut dire qu'on a aussi besoin d'un certain niveau de maturité par rapport aux utilisateurs qui vont s'en servir. La modélisation, quand je parle de modélisation, là, c'est est-ce que l'outil a la capacité à effectuer un peu les traitements dont je vous ai parlé. Jusqu'ici, de façon implicite, je disais que les traitements se faisaient en base de données. Il y a certains outils qui offrent quelques capacités de modélisation au sein de l'outil. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans le data warehouse. Ça peut être intéressant, typiquement si j'ai justement pas un data warehouse hyper fiable, hyper robuste, parce que c'est le début de l'histoire dans mon entreprise, ça peut valoir le coup de regarder ce genre d'outil. Ça pose aussi un risque de cohérence, c'est-à-dire que si différentes équipes produisent des rapports et que chacun bosse un petit peu sur son data warehouse, il y a un risque assez évident qu'ils ne produisent pas les mêmes règles et du coup qu'à la fin on sorte des chiffres qui soient différents alors qu'ils ne devraient pas l'être. Donc c'est important. La facilité d'utilisation,
Évidemment, on a tous envie d'avoir des trucs très sympas et très faciles à utiliser. En général, la simplicité d'utilisation va de pair avec une certaine limitation dans les fonctions de l'outil. Et de la même façon, en général, dans ce qu'on voit, c'est que les gens veulent avoir des trucs super sophistiqués, mais faciles à utiliser. C'est évidemment contradictoire. Donc, il faut être capable de faire un choix entre les deux. Je parle d'un dernier qui est Data Access. Donc là, vraiment, est-ce que je suis capable de faire de la ségrégation sur les personnes qui vont accéder aux données que je suis en train de présenter ? J'en parle parce que c'est aussi parfois un critère qu'on oublie, alors que c'est super important. Si je suis une entreprise où il y a 100 000 personnes et qu'il faut que je déploie un report sur l'ensemble de l'entreprise, au-delà même de confidentialité de données qui peuvent relever des RH ou d'autres types de réglementation, je n'ai pas forcément envie que l'équipe de la région A voit les performances de l'équipe de la région B. Si je n'ai pas envie de créer différents rapports et du coup de créer des efforts de maintenance, il faut que je sois capable de le faire dans la solution et c'est quelque chose auquel il faut penser. Voilà, très rapidement, en gros, ce dont on parle quand on parle de visualisation, s'il y a vraiment un message avec lequel je voudrais que vous repartiez ce soir, ce ne sera pas un classement des outils, ce ne sera pas « Ok, j'ai compris comment ça marche la visu, je sais quel outil je vais prendre chez moi », parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse simple à ça. Je voudrais surtout que vous reteniez qu'au-delà de l'outil de visualisation, au-delà de la visualisation en elle-même, il y a énormément de sujets qu'il faut traiter. Et donc, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg, de nettoyage, d'infrastructure, d'architecture, de compétences, de gouvernance. C'est évidemment celui en général auquel on pense le moins. La gouvernance autour de l'utilisation de la donnée, c'est absolument clair en entreprise. Mathias pourra nous en parler de façon, vraiment de son expérience personnelle. Et donc voilà, encore une fois, entre la source qui est l'information que je veux représenter et la présentation d'un rapport à des utilisateurs, il y a énormément de choses qui se passent. L'outil de visualisation en est une, mais c'est vraiment pas la seule. Jusqu'ici, tout va bien ? Okay. Alors, on est quand même venu pour parler d'un benchmark, donc on va quand même définir des critères sur lesquels on va comparer ces différents outils. Ces critères, ils sont super subjectifs. C'est ceux que j'ai choisis. Je pourrais en mettre 10 autres qui sont tout aussi pertinents sur le slide du dessous. J'ai choisi de ne pas le faire parce qu'en fait, cette liste, elle ne finit jamais. Et surtout, l'idée de classer dans l'absolu différents outils de visualisation, elle n'a pas vraiment de sens. Ça va dépendre des contextes, ça va dépendre de ce dont vous avez besoin, ça va dépendre de vos compétences existantes et de celles qu'éventuellement vous voulez acquérir dans le futur. Mais voilà, donc c'est encore une fois une liste non exhaustive et très subjective de ces différents critères. J'ai quand même retenu la simplicité d'utilisation, parce que c'est bien de produire des rapports, mais si les gens ne s'en servent pas, ça ne sert pas à grand chose. Et la simplicité d'utilisation, elle est en général absolument essentielle pour ça. La facilité d'implémentation également, parce que c'est super de vouloir produire des visus. Si en fait, au bout de 6 mois, on n'a toujours pas été capable d'utiliser l'outil, ça ne va pas servir à grand monde. Et différents outils peuvent se différencier de ce point de vue-là. Je parle de collaboration à dessein, parce qu'en fait, encore aujourd'hui, aucun outil n'implémente vraiment des fonctions de collaboration, alors que c'est absolument essentiel quand on parle de visualisation. Un rapport, on ne s'en sert jamais pour soi-même. On est toujours en train de partager une vérité avec quelqu'un pour animer une discussion, pour prendre une décision, et ça reste quand même un manquement cruel dans l'ensemble des solutions. Donc je ne sais pas s'il y a des éditeurs dans la salle, mais s'il y en a, s'il vous plaît, travaillez là-dessus. Je parle de storytelling, un peu en rappel de ce que je vous avais dit sur la partie PowerPoint. En fait, dans ce qu'on fait avec un PowerPoint, c'est raconter une histoire. On est en train de faire du storytelling. Il y a un outil aujourd'hui sur le marché qui fait ça, qui s'appelle Tukantoko, pour le nommer avant que je le mette sur le slide. Et donc, encore une fois, je vais le mettre un petit peu à part. Ça ne veut pas dire que les autres outils ne sont pas capables de le faire. On est capable, avec des pages successives, moi j'aime bien avoir une espèce de scroll vertical où j'ai différentes visues qui, amènent l'utilisateur dans une progression sur la compréhension. C'est pas mal, ça permet de répondre un petit peu à cette fonction. J'y reviendrai, mais Tukantoko est vraiment extrêmement avancé du point de vue de la construction d'une narration, et c'est très intéressant de ce point de vue-là. On a parlé stockage et modélisation. Alors, j'ai parlé surtout modélisation. Le pendant de la modélisation, en général, c'est le stockage de la donnée au sein de l'outil. Ça peut paraître un peu théorique, mais ça peut quand même poser des contraintes d'architecture, voire de performance, et ça peut être à double tranchant. Je reviens dessus un petit peu derrière. Et je parle de fonctions statistiques juste un peu pour me faire plaisir à moi, parce que on aime bien quand même faire des stats, nous, dans les outils. Je dis ça, mais en fait, c'est jamais une très, très bonne outil de faire des stats dans l'outil de visu. Parce que si vous savez faire des stats, vous n'avez pas besoin de l'outil de visu. Et si vous faites des stats dans l'outil de visu sans comprendre les stats, ça peut être super dangereux. Mais néanmoins, si vous avez une équipe de data scientists, prenez-leur un outil comme ça, ils seront super contents. Pour passer au benchmark, je commence par Tableau. Tableau, c'est un peu considéré comme la Rolls de la visu dans le milieu. Pourquoi ? Parce que c'est hyper sophistiqué. On peut faire des choses qui sont extrêmement belles, extrêmement avancées. Je m'étais fait plaisir il y a quelques années avec un data scientist sur un petit concours de représentation de l'information
numérisé par la presse depuis 1979, on avait fait des trucs super sympas, et clairement, on avait atteint un niveau de configuration sur lequel il n'y a quasiment que Tableau, ou alors vraiment des constructions programmatiques custom, qui seraient capables de répondre. Le pendant de ça, c'est que ce n'est pas complètement intuitif à utiliser. Je vois aussi pas mal chez mes clients d'installation de Tableau. Ils sont contents parce qu'effectivement, c'est magnifique, ils pensent que ça va aller tout seul, et ils ont des gros problèmes de performance parce qu'ils n'ont pas forcément compris comment il fallait s'en servir, et du coup, ça peut poser pas mal de problèmes. Donc, encore une fois, à double tranchant, en tout cas, c'est super sophistiqué. C'est ce que j'appelle Enterprise Ready, un peu au sens de l'accès aux données dont je vous parlais tout à l'heure. Tableau, on peut s'en servir à l'échelle de l'entreprise. C'est compatible avec une boîte qui fait 100 000 personnes parce que je peux gérer des notions de distribution, je peux gérer des notions d'autorisation, donc ça le fait, contrairement à d'autres outils que je vais vous présenter pour lesquels ça ne le fait pas. Par contre, il faut des compétences techniques et ça, il faut vraiment l'avoir en tête si vous vous lancez avec Tableau. Qlik, il a souvent les avantages et ses inconvénients. Donc Qlik, pour ceux qui ne connaissent pas, sur la deuxième moitié des années 2000, c'était assez révolutionnaire. Ils sont arrivés avec un moteur en mémoire. C'était une époque où on avait des gros problèmes de perf dans les bases de données classiques. Et donc le fait que je puisse avoir en gros en RAM dans l'outil l'ensemble du dataset que je suis en train de reporter, ça offrait des performances qu'aucun autre éditeur était capable d'offrir, et ça c'était super intéressant. Et donc en parallèle de ce stockage, Qlik offre des capacités de modélisation qui sont extrêmement avancées. Et donc ça peut être intéressant, parce que typiquement, si j'ai un rapport à produire qui mélange 5 sources différentes et que mon équipe data vient de commencer son travail, que j'ai pas encore un data warehouse qui est bien robuste, bien fiable, je peux aller très très vite dans Qlik pour faire toutes ces petites jonctions en laissant le temps en gros à l'équipe data de le faire de façon robuste dans un data warehouse centralisé. Et de ce point de vue-là, ça peut être intéressant, mais c'est aussi risqué, parce que si je le fais faire à une équipe et avec une autre équipe et qu'on arrive à un board meeting avec deux valeurs différentes du chiffre d'affaires, ça peut se passer assez mal. C'est également enterprise ready et il faut également des compétences techniques si vous voulez vous lancer sur ce sujet. Pocket Result, là c'est clairement si vous n'avez aucune compétence data, vous n'avez aucune envie d'en acquérir, c'est parfaitement respectable. Là vous pouvez aller voir Pocket Result, je vois pas mal de trucs qui se lavent, ça a l'air d'intéresser. Encore une fois, c'est là tout à fait respecté, vous êtes peut-être une entreprise de je sais pas 20 à 50 personnes, vous avez un super développement, vous n'avez pas dû tout le temps vous occuper de ça, aucun problème, faites appel à Pocket Result, vous allez leur dire ce que vous voulez, ils vont prendre vos données, faire le modèle, vous rendre un rapport, vous aurez ce que vous voulez, par contre vous n'aurez rien appris, et le jour où vous voudrez changer, il faudra payer. Donc voilà, un modèle qui peut être justifié, mais il faut simplement être conscient de ce dans quoi on se lance. Data Studio, pour lequel j'ai une affection un peu particulière, il est super parce qu'il fait quasiment rien. C'est extrêmement léger. Je suis vraiment hyper sérieux, il fait vraiment quasiment rien et c'est vraiment un de mes préférés parce qu'il est extrêmement léger. Alors dans le côté il fait rien, il est très très facile à prendre en main. On est vraiment, c'est un peu l'extension des graphes que vous feriez dans Excel, sauf que c'est encore plus facile que dans Excel. Il y a plein de connecteurs qui sont très faciles à utiliser. J'imagine qu'on a quand même une ou deux personnes marketing dans la salle. Vous avez un connecteur AdWords, vous pouvez visualiser exactement ce que vous avez dans la console AdWords ou la console GA de façon extrêmement simple. Donc ça, c'est un outil qu'on peut mettre dans toutes les mains. Et pour des mains un peu plus expertes d'un point de vue technique, nous, on s'en sert sur des bases de données extrêmement puissantes. Je vous parlais tout à l'heure de l'appréhension d'un dataset qui peut faire plusieurs milliards de lignes. Il n'y a quasiment que Data Studio qui me permet de faire ça. Parce que c'est tellement léger que je le branche sur une base de données extrêmement performante et du coup, je suis capable d'aller faire des choses très intéressantes de ce point de vue-là. Par contre, ce n'est pas du tout enterprise ready. Il n'y a aucune notion de gestion d'autorisation dans Data Studio. Enfin, je peux partager en modification ou en lecture, mais je n'ai pas cette notion de ségrégation des accès. Donc, si vous êtes une entreprise du CAC 40, ce n'est pas avec ça que vous allez faire tout votre reporting. Par contre, si vous avez, alors, enfin déjà, en fait, c'est gratuit, c'est aussi un avantage relativement intéressant. Si vous avez un compte Gmail ou que vous avez G Suite, en fait, vous avez aussi Data Studio. Donc, vous pouvez vous en servir tout de suite, c'est datastudio.google.com et vous êtes parti. Aucune installation, aucun setup, et encore une fois, très facile à utiliser, mais pas du tout enterprise ready. J'ai mis Report juste après Data Studio, je ne sais pas s'il y a des gens de Report dans la salle, je sais qu'on s'était parlé un petit peu avant. Non, ça va. Bon, de toute façon, tout ce que je vais dire a été tamponné par Report. Report, c'est un peu la version, justement, c'est Data Studio Plus. C'est-à-dire que ça ressemble beaucoup, on retrouve cette facilité d'utilisation. Ils me jurent qu'ils se sont pas inspirés de Data Studio pour développer Report, mais ça ressemble beaucoup vraiment d'un point de vue visuel, donc on a quelque chose de très très ergonomique. On retrouve cette notion de performance parce que c'est une couche très très légère sur une base de données, donc ça c'est intéressant, avec le pendant qui est que j'ai quasiment aucune fonction de remodélisation à l'intérieur de mon outil. Ce qu'ils ont rajouté par rapport à Data Studio, justement, c'est cette notion gestion des accès à la donnée qui permet de passer à un stade quand même un peu plus enterprise ready, et de ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant.
Looker, pareil, c'est comme le critère statistique, c'est un peu plus pour les équipes data scientist. C'est un peu compliqué à utiliser, c'est un peu compliqué à installer, mais il y a des caractéristiques techniques qui sont hyper intéressantes, notamment un langage un peu SQL, un peu stat, qui est super intéressant. Si vous avez une équipe de au moins 10 data scientists, ça peut vraiment valoir le coup de leur offrir ça, parce que ça peut les aider. Enfin, un, ils seront contents, et donc ils seront plus productifs et ils travailleront mieux. Et blague à part, ça peut quand même vraiment les rendre un peu plus productifs. Il y a des notions de collaboration technique de ce point de vue-là, hein, pas de collaboration du point de vue utilisateur, qui sont intéressantes à regarder aussi. Power BI, j'ai pas toujours été un gros copain de Microsoft, mais Power BI fait partie des outils qui m'ont énormément radouci par rapport à ça. Power BI, c'est un bel outil. Il y a encore un an et demi, j'en parlais en disant, c'est super si vous êtes full Microsoft sur le plafond, c'est même pas la peine d'y penser sinon. C'est pas complètement vrai, en fait, c'est vraiment pas mal. Ça présente un bon compromis entre la facilité d'utilisation et la sophistication de ce qu'on est capable de faire. Et vraiment, je trouve que c'est. Ils ont mis le curseur au bon endroit là-dessus, c'est vraiment intéressant. Il y a évidemment une intégration native avec Microsoft, et comme il y a quand même encore 2-3 entreprises sur Office 365, ça vaut vraiment le coup de ce point de vue-là. Ça nécessite évidemment des compétences techniques, on parle un peu de serveur, il faut faire du sizing, donc il y a quelques opérations. Enfin, c'est plus compliqué à installer que Data Studio sur lequel il n'y a pas d'installation. C'est néanmoins un outil qui a regardé et qui, voilà, encore une fois, m'a fait changer mon discours sur Microsoft d'une façon générale. Ce qui n'est pas peu dire. Je termine par Tukantoko. Tukantoko, c'est l'éditeur de storytelling dont je vous parlais. Ils sont français, ils sont vraiment uniques en ce sens que c'est le seul éditeur qui s'est construit sur une idée d'offrir une capacité de storytelling. Et de ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant. Ça permet d'offrir une navigation et donc de raconter une histoire qui est complexe de façon hyper agréable pour l'utilisateur. C'est très ergonomique, on a l'impression de naviguer dans différentes étapes. On n'a pas une narration qui est monodirectionnelle aussi. Quand je vous disais que les autres outils étaient quand même capables de construire une espèce de narration, en gros c'est page après page où je scrolle de haut en bas ou de gauche à droite. Donc c'est quelque chose de très très linéaire. Avec Tukantoko, on peut offrir des parcours qui sont beaucoup plus complexes et donc on peut vraiment raconter une histoire qui est extrêmement riche de ce point de vue-là. Par contre, ça a un coût. Déjà, ce n'est pas complètement gratuit. Ça reste technique. Il y a une idée un petit peu one-shot quand je fais ce truc-là, parce que tout le modèle dont je vais me servir pour raconter une histoire, il est vraiment très, très dédié à l'histoire. Et je ne sais pas s'ils sont dans la salle non plus. J'espère qu'ils seront... que ça ira. Il y a quand même une certaine technicité et un côté un peu jetable à l'histoire que je vais raconter. Mais quand je dis ça, ça reste très intéressant. Tukantoko, c'est pas mal utilisé pour des board meetings, par exemple. Au coût horaire de la discussion dans un board, ça peut vraiment valoir le coup de mettre 40-50 000 euros dans un outil qui permet d'accélérer les discussions. Et il ne faut vraiment pas sous-estimer ça. C'est pas juste pour se faire plaisir et avoir un truc joli à montrer à l'écran. Une bonne visualisation, ça peut vraiment permettre de dégager un consensus beaucoup plus rapidement. Et donc, encore une fois, quand on a beaucoup de personnes sur un sujet compliqué, il peut vraiment y avoir un ROI, bottom line, un financier, à investir dans ce genre d'outils. Maintenant, ce n'est pas encore à un niveau où, pareil, on va déployer Tukantoko dans toute entreprise parce que ce n'est simplement pas fait pour ça. Voilà pour le benchmark. Le message de fin, puis on va passer à la discussion avec Valentin et Mathias, c'est que si vous avez besoin de choisir un outil de visualisation pour caricaturer, pensez à tout sauf à l'outil de visualisation. Il faut d'abord que vous commenciez par comprendre qui vous êtes, quelle est votre maturité, quel est votre niveau d'ambition, vous êtes où aujourd'hui, vous voulez être où demain, vous avez quelle maturité sur l'exploitation des données, vous avez quelle ambition sur la maturité que vous voulez atteindre sur vos données, quelle est la gouvernance que vous allez mettre autour, encore une fois, quelles sont vos compétences associées à ce domaine-là. Une fois que vous avez une vision claire de ce truc-là, si je caricature un petit peu, vous pouvez jeter une pièce, prendre n'importe lequel, ça va le faire. Je caricature un peu, ça vaut quand même le coup de se poser un peu les questions de coût, de fonctionnalité, mais si vous avez bien fait le boulot sur les étapes du début, vous ne pourrez pas faire de grosses bêtises sur l'étape du choix de l'outil de visualisation. Et c'est vraiment là-dessus que je souhaite vous passer, c'est ça que je vais vous faire passer en dernier message aujourd'hui, avant de passer à notre cher panel. Merci à tous. Ouais, et toi, non mais attends, ça marche, attends, j'ai l'impression que c'est branché. Ouais, okay. Valentin Mathias, je vous laisse vous présenter. Merci Thibault. Donc Valentin Vivier, je suis responsable de projet data chez France Télévisions. Je suis donc au département marketing et data de la direction du numérique et mon métier consiste
à faire en sorte qu'on connaisse, qu'on comprenne mieux nos clients sur la base de toutes les données qu'on peut collecter, organiser, enrichir et mettre à disposition de toutes les personnes, tous les départements, entités, dispositifs qui peuvent utiliser cette data. Et moi, c'est Mathias Soler, je suis Chief Data Officer à la Française des Jeux et responsable d'un centre d'expertise data et surtout responsable de la gouvernance globale au sein de la FDJ autour de la data. Je présenterai un peu FDJ peut-être après. Ok, et donc on a évidemment échangé un petit peu avant d'arriver sur scène. Dans les discussions qu'on a eues et qu'on va essayer du coup, de développer un peu plus devant vous, je pense que toi, Mathias, tu peux peut-être parler de ton expérience justement sur la gouvernance, qui a été un des enjeux cruciaux que tu as eu à adresser. Et ce que je voudrais aussi pour l'audience, c'est que tu parles un peu des différents temps dont on parlait, que tu avais à gérer sur la partie data et sur la partie métier. Oui, alors ce qui est important à savoir, donc c'est le contexte un peu que tu disais, hein, qui on est, machin, etc. La FDJ, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs utilisateurs. Quand je suis arrivé à la FDJ il y a 2 ans et demi, on était sur un mode que vous connaissez probablement tous et qui est encore présent dans pas mal d'entreprises, avec des outils, enfin des reporting déjà faits. Et quand je veux un nouveau reporting, je fais une demande à la DSI dans une expression de besoin. Ils me font mes crowbars et je récupère ça 6 mois plus tard, etc. Généralement 6 mois plus tard, en fait, c'est plus ça que je veux. Et le gros problème qu'on a, c'est que comme je connais pas les données, j'ai besoin de reporting. Donc je demande des reporting assez basiques. Une fois que j'ai vu le reporting et j'ai vu que la donnée n'est pas intéressante, ou en tout cas j'ai la réponse à ma question, je veux d'autres reporting et donc je repars sur une nouvelle expression de besoin, etc. Et donc en fait l'idée principale était de sortir de ce mode-là pour dire en fait on va pousser les données directement au métier, on va leur donner les outils pour qu'ils puissent eux-mêmes faire leur reporting tout seuls ou leur data viz. Et qu'ils soient autonomes là-dessus. Et donc ça, c'est FDJ, donc 2000 personnes à peu près. Mon objectif est qu'un stagiaire, c'était tout l'inverse à la FDJ, c'est un stagiaire arrive à la FDJ, il se connecte à l'outil, il a envie de faire des reportings, il peut, quoi. Il a accès à toutes les données, il se fait ses reportings, etc., etc. Donc ça amène beaucoup de sujets de gouvernance, de maîtrise de la sécurité de l'information et de compétences à faire et surtout de propriété de données qui, à l'époque, étaient ces données, elles sont plutôt à eux, ces données, elles sont plutôt à eux, et je ne la croise pas, je ne la partage pas entre eux. Donc il y a tout ce changement de culture, ce changement de gouvernance, donc ça a été un gros chantier. Et donc en fait le travail a été dire, donc en fait il y a plusieurs niveaux, donc pour faire ça, pour donner accès aux stagiaires finalement, c'est-à-dire que je donne accès au métier directement à la donnée, mais il n'a pas forcément les compétences, donc il peut s'appuyer sur sa propre équipe data. À FDJ on a différentes BU, chaque BU a des équipes data à l'intérieur des BU, donc il peut s'appuyer sur son équipe data, et sinon il s'appuie sur nous en lame de fond. Donc ce contexte-là est important. Parce que ça doit être un outil qui est facile d'utilisation, ça doit être un outil qui accède à des données qui sont intelligibles par un stagiaire. Donc tout le travail finalement est en amont et donc c'était pas forcément perçu à l'époque quand les gens sont arrivés, on dit c'est le bordel dans la data, on a besoin d'un outil de data viz. En fait non, le sujet c'est pas un outil de data viz, c'est en fait on a besoin de nettoyer nos data, de les simplifier, de les mettre à disposition et par-dessus mettre un outil de data viz. Et donc c'est là où on s'est lancé dans un RFP pour sélectionner un outil. Qui était Power BI à la fin. Qui a été Power BI à la fin, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on l'avait déjà. Parce que si vous avez un contrat Microsoft 365 bien négocié, normalement, vous avez tous Microsoft, Power BI à l'intérieur. Après, il y a forcément quelques options à activer. Mais néanmoins, on a quand même lancé l'appel d'offres, on a quand même fait une compète, on a quand même sélectionné et ça jouait à un mouchoir de poche et du coup, on a choisi Power BI, effectivement. Ouais. Et alors toi, Valentin, un contexte, c'est une expérience un peu différente, mais finalement qui se rapproche aussi un peu de la FDJ. Oui, alors ça se rapproche, effectivement. On veut avoir aussi une donnée qui est intelligible par tous. Par contre, on a effectivement une approche qui, je dirais, est peut-être un peu plus artisanale. Au sens où dans l'équipe, j'ai 2 data analysts qui vont répondre finalement aux besoins de tableau de bord à créer. Et donc, on a une approche par use case. Et finalement, on va plutôt les accompagner nos clients à créer les rapports dont ils ont besoin. On n'est pas encore arrivé à la phase où il y a une maturité suffisante pour que les personnes puissent prendre en main l'outil et créer des tableaux de bord sur eux-mêmes sur la base de ces données. Déjà parce qu'ils n'ont pas tous été formés à l'outil et qu'il est assez spécifique. On a aussi Power BI, voilà, même si c'est relativement intuitif.
Et j'ai perdu le fil, mais donc on a cette approche-là, on crée des rapports et des tableaux de bord qui répondent à des besoins spécifiques. On a quand même essayé d'avoir une démarche d'industrialisation en mettant notamment la capacité d'avoir des tableaux de bord qui se mettent à jour automatiquement. Et c'est un grand pas en avant, puisque auparavant on avait besoin de faire des mises à jour manuelles, revenir tous les jours dans les rapports, actualiser la donnée. Et ne serait-ce que ça, c'est une économie de temps et de productivité qui est assez grande et qui change un peu le prisme de la donnée et des rapports qu'on met à disposition à nos clients internes. Et puis qui du coup lance un cycle hyper vertueux de maintenant que j'ai un socle de données propres, je suis capable d'obtenir des rapports qui sont opérationnels et utilisables, et ça se sait au sein de la FDJ, donc tu as de plus en plus de clients internes qui viennent te voir pour avoir de nouveaux rapports. Enfin, voilà, c'est comme ça qu'on lance la machine et qu'à la fin... Alors, on a lancé la machine, tu fais bien de me poser la question. On a essayé de lancer cette machine plusieurs fois. On a raté quelques fois et je me retrouve pas mal quand même dans ce que tu présentes en termes de decision process. À savoir, il a fallu d'abord qu'on comprenne les données avec lesquelles on jouait, les données qu'on allait exposer, pour pouvoir mieux les appréhender, mieux les collecter et mieux les restituer. Parce que trop souvent, on s'est rendu compte que finalement, on exposait de la donnée, on essayait de construire des tableaux de bord sur de la donnée qu'on ne maîtrisait pas bien, qui derrière était remise en question sur son interprétation, que nous-mêmes, on avait du mal à expliquer. Et d'avoir fait ce travail en amont, et finalement, tu as raison, l'outil, c'est un détail dans tout ça, de compréhension, de qualification de la donnée, et de mise à disposition de cette donnée sous une forme intelligible, c'était essentiel. Donc ça va. J'étais content quand j'ai rencontré Mathias et Valentin, parce que je ne savais pas quel genre de discussion on allait avoir. J'étais ravi de découvrir qu'on partageait les mêmes convictions. Je sais pas si je crois qu'on a encore 5 minutes à peu près, on pourra peut-être prendre quelques questions. Je voudrais juste faire une petite anecdote. J'ai rencontré quelqu'un cet après-midi qui vient me voir avec une problématique de visualisation. Et donc moi j'arrive, ok super, cloud, on va mettre des outils de fou, ça va être génial. En fait, elle avait 4 fichiers qui font 70 000 lignes et qui sont uniquement pour elle, et elle a simplement besoin en gros d'automatiser les opérations qu'elle fait sur Excel tous les jours. Tout ça pour vous dire quoi, que on n'est pas non plus obligé de passer par tout ça. Encore une fois, suivant les cas, là on est en train de parler de reporting à l'échelle d'une entreprise. Et donc là c'est super important d'avoir ce socle de vérité très très industriel, très très partagé. On n'est pas en train de vous dire de systématiquement vous lancer sur un truc de dingue sur le cloud. Elle a besoin d'un script VB. Elle a besoin de merger 4 fichiers, de reproduire un bar chart sur un des onglets, et on s'arrête là, et c'est absolument respectable. Je dis ça parce que on n'a pas beaucoup insisté là-dessus, mais il y a cette notion de temps qui peut être extrêmement importante. Si on est à l'échelle d'une entreprise, c'est très important d'avoir ce data warehouse qui est absolument maîtrisé. Encore une fois, on ne peut pas se permettre à un niveau top management ou board de présenter un chiffre d'affaires différent d'une semaine sur l'autre. Je reviens toujours sur le chiffre d'affaires parce que c'est toujours la même chose. Vous posez à 5 personnes la question du chiffre d'affaires, ils ont en général 5 définitions différentes. C'est vraiment chez tout le monde. Et ça peut avoir un sens, il suffit juste d'appeler ça 5 fois chiffre d'affaires. Il faut le nommer différemment. Et ça, c'est encore quand il y a une justification à ça. On peut savoir des problèmes de calcul. Du coup, Thibault, je pense que c'est un sujet, et notamment avec Power BI, mais c'est un sujet pour tout le reste. C'est une fois que l'outil est mis en place, on a la data, on a les outils, on a les utilisateurs, il reste toujours le sujet de la gouvernance. C'est-à-dire qu'effectivement, chacun sort ses rapports. Il y a une fonctionnalité qui est plutôt pas mal dans Power BI, qui est la création d'applications, en fait, hein, et donc et une marketplace, en fait, où je partage, je pense que, je ne sais pas si vous l'utilisez ou pas, hein, chez FTV, mais... en fait, cette notion finalement de gouvernance et de partage en transverse. Encore une fois, moi, mon sujet en tant que CDO, c'est la transversalité et dans le choix de l'outil. Évidemment, à la française des jeux, on avait DataZen, on avait déjà Power BI, on avait Captain Dash, Rome BI, enfin bref, il y avait plein d'outils. Chacun faisait un peu les trucs dans son coin. Donc, dans le choix de l'outil, il y a aussi cet aspect de transversalité, de dire en fait, il faut trouver quelque chose qui correspond à tout le monde. Donc, c'est là où effectivement les outils entreprise ready ou at scale sont intéressants. Et ensuite, c'est pareil sur le partage de reporting. C'est quand on donne la main à chacun, chacun fait ses petits reportings dans son coin. Néanmoins, il ne faut pas que ça se partage trop facilement, etc. Enfin, il faut qu'ils puissent le partager, mais il y a ce système finalement de gouvernance, de labellisation des reportings, de mise en commun du langage, enfin du langage commun en tout cas dans les KPI que j'utilise, etc. Et donc ça, c'est très important. Il ne faut surtout pas le perdre de vue. Donc il y a tout le travail en amont qui est assez lourd, le travail de DataVis et tout le travail ensuite en aval qui est la maîtrise de ce que je partage. Une fois que vous avez fait tout bien, une fois que vous avez fait tout ça bien, il reste encore du boulot derrière. C'est pas fini. Est-ce qu'on prend quelques... Je sais pas, il nous reste un peu de temps. Ok. Est-ce qu'on peut prendre une ou deux questions, s'il y en a?
On vous a scotché là. La première, c'est la plus dure. Ouais, c'est très clair. Je crois que c'est ça. Ouais. Ou en fait, tout le monde a envie d'aller boire une bière, peut-être. Ok, bah écoutez, à ce moment-là, merci pour votre. Merci. Pardon. Vas-y. Vous avez parlé de votre choix, donc tous les deux, en l'occurrence Power BI. Est-ce que vous avez finalement tué tous les autres outils de Datavis dans vos maisons, ou il y a encore un écosystème assez divers? Alors, c'est une très bonne question. C'est ça qu'on vend, en fait, hein, quand on l'achète. Hein. On vend, on justifie le tarif parce qu'on va décommissionner des trucs. Et là, le décommissionnement est assez compliqué. Alors, je pense qu'on a tous les mêmes recettes hein, pour le décommissionnement des outils. Hein, c'est de le couper, c'est d'enlever des licences, de voir si ça réagit, si ça ne réagit pas, etc. Mais bon, c'est ça qui marche. Donc nous, en l'occurrence, notre outil, le gros outil, c'est BO, SAP, BO. Et donc en fait, il y a une démarche progressive, mais en fait, je ne suis même pas sûr que Power BI remplace à 100% les usages de BO. Donc il y a certains usages BO qui vont rester, ne serait-ce que pour nos collaborateurs qui sont à 3 ans de la retraite et qui ont leur reporting depuis 10 ans sur BO et on va pas... Et puis ça sert, ça fait le job, etc. Donc on ne va pas changer pour changer. Néanmoins, déjà, on stoppe le développement de nouveaux univers. En fait, on ne développe plus d'univers BO. On essaie d'en décommissionner certains. On ne fait plus des vols sur des univers existants. Et en fait, c'est plutôt cette démarche-là. En fait, déjà, on ferme le robinet. Et ensuite, on va vider la baignoire petit à petit. Et peut-être qu'il restera quelques usages sur BO. Mais pour un BI, il ne couvrira pas. Et peut-être qu'on ira chercher un tableau à un moment donné ou un looker. Parce que voilà, pour un BI, il va atteindre ses limites sur une certaine population. Et on va aller chercher un autre outil pour cette population-là. Et de l'autre côté, c'est la même chose, quoi. De notre côté, on n'a pas les mêmes problématiques, puisque c'est la première fois qu'on choisit un outil de Datavis. Et en fait, le travail, c'est plutôt faire ce travail pédagogique de formation à l'outil, accompagnement à la prise en main. Donc on organise des formations pour que les personnes puissent l'utiliser et au moins savoir comment consommer les rapports et les tableaux de bord qu'on peut leur envoyer. Merci.